Rien à signaler. Envoyez-nous votre char. Je me rapproche. Je peux le voir. On a détruit le chargement de crew. Génial! Comptez sur moi pour vous remettre une médaille. Bon, le temps presse, alors du balai. Vous êtes toujours aussi dur? Laisse-moi faire, Jack. Écoutez, madame, on a gagné votre stupide course et on peut battre n'importe qui dans cette ville. Mais... cette voix! Et j'ai deux mots à vous dire. Primo, pas question qu'on rejoigne votre équipe de nazes. Deuxio, vous venez de louper un rencard avec l'éclair orange. Allons-y, Jack. Dexter, c'est toi! Kera! Oh, j'aurais jamais cru être aussi contente de voir ta face de rat! Et Jack, tu as l'air différent. La course a été difficile. Le baron lui a inoculé de l'écho noir et ça lui a fait quelque chose. Maintenant, il a des super pouvoirs ou je sais pas quoi. Il pique parfois sa crise. Ça fait un bail que je vous cherche, les gars. J'essaie de trouver un moyen de rentrer chez nous. Cette faille nous a transportés dans le futur. J'ai calculé le déplacement temporel et je crois que j'ai trouvé... On a trouvé ton père. Enfin, si on peut dire. Il travaille avec les souterrains contre le baron. Mais il... Quoi? Il faut que tu ailles le voir. Et moi, il faut que j'aille voir le baron. Vous pourriez essayer de remporter le championnat de classe 1. Le vainqueur de cette course rencontre toujours le baron au palais. Mais il faut d'abord vous qualifier en gagnant les courses précédentes. Le départ d'une course de classe 3 va bientôt être donné. Vous pouvez concourir pour mon équipe. Mais Jack, allons-nous-en d'ici. J'aime pas cet endroit et il y a des gens qui me donnent la chair de poule. Jack, mon garçon, j'ai besoin de cette clé rubis que tu as trouvée. Un client spécial me l'a réclamé. Désolé, crew. J'ai dû oublier. C'est ça. À tous les citoyens, la course de classe 3 va commencer. Bien, on va vérifier. Thank you.
Hey, je vous ai regardé courir tout à l'heure. Vous êtes balèze. Oh, merci. Kira, voici Ashlyn. C'est... Tout le monde sait qui c'est. Et Kira, c'est... Une amie. Une très, très bonne amie. Merci de m'avoir aidée avec le camion-citerne, Jack. Vous avez sauvé beaucoup de vies. Je ne suis pas mon père, vous savez. Quand j'étais petite, je regardais déjà les rues de la ville, du haut de ce palais ridicule, et je rêvais d'un monde meilleur. Au fait, il vous cherche. À votre place, je me méfierai des rôles. Je ne peux pas vous protéger contre lui. Waouh, jolie avec ça! Elle a le Pékin, tu sais, Jack. Je me demande pourquoi, d'ailleurs. T'aimerais épingler des médailles sur sa jolie poitrine. Ben quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que t'as dit, Jack?